Oh, it's Zankios from France. Salut à tous les gens, c'est Zank et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2, le quatrième épisode de ma série Road to Master. Donc aujourd'hui, à la différence des autres épisodes, je joue à l'AR comme vous pouvez le voir. Donc je joue avec la N94 avec le petit Camo Ghost en mode Beach, I'm a boat, j'ai la N94. Ouais, je commence déjà très très mal cette vidéo, hein, vraiment un bon petit son de Rick Ross en mode N94. Donc bref, comme je disais, je joue avec la N94, donc ça change un petit peu, hein, c'est un gameplay qui est assez correct, il date de hier soir. J'étais en partie avec White, donc White qui avait un pseudo assez original, hein, dans cette partie, puisqu'il s'appelait Sus Mon Chibre, voilà, tout simplement, hein. Si vous croisez sur le live un Sus Mon Chibre, c'est White. Il y avait aussi Yoshi's, hein, qui était avec moi, donc on a fait de la ligue solo comme toujours. C'est vraiment le mode que je fais quasiment exclusivement. J'ai fait un petit peu de public récemment, mais c'est vrai que voilà, comme j'avais dit, la ligue c'est un petit peu ce que je privilégie. Donc dans ce gameplay là, en plus que je joue à l'AR, donc un petit peu de changement, contrairement à la MSMC, je joue pas en point stratégique aussi, je joue en CTF. Donc voilà, un petit peu de nouveauté, hein, j'essaye un petit peu de varier. C'est vrai que j'y a pas trop de variantes sur mes gameplays, c'est tout le temps un petit peu de la MSMC, du hardpoint. Donc là cette fois-ci c'est de la N94, donc de l'AR sur standoff en CTF. Donc c'est une partie assez solide, hein, vous verrez. Je fais quelques petits trucs assez sympas avec la haine, notamment il me semble qu'à un moment donné je mets un petit triple, je sais plus, je crois c'est vers le milieu du gameplay. On parle de bons petits trucs, là je viens de mettre un énorme turn sur le mec, hein, je sais pas ce qu'il a branlé. J'ai failli enchaîner sur le double, au final j'ai pas pu, mais déjà il s'est pris un gros turn en début de gameplay, lui il a pas dû trop kiffer le pauvre, hein. Mais ouais, franchement je fais une assez bonne partie. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre un petit peu les spawns, jouer grave les kills, hein, vous verrez, je run pas du tout les flags, hein, c'est pas l'objectif d'une AR. Là j'ai plus de balles, j'essaie de le rusher avec mon cut, mais bon on le sait, hein, les cuts sur Black Ops 2, il faut vraiment pas compter dessus, hein, je sais pas pour vous, hein, mais c'est vrai que moi je les tente même plus, hein, contrairement à MW3, limite on pouvait m'appeler Zank le Boucher, hein, tellement je tentais limite que des cuts dès que j'étais au corps à corps, alors que maintenant... Ben voilà, on est devant un mec, on peut rien faire là. Voilà, là je suis devant un mec, pareil, je peux pas faire grand chose. Il y avait du double XP par contre, ça j'avais justement, je sais pas si ça sert à grand chose, hein, ça sert pas à grand chose à mon avis, vu que je suis en ligue. Mais c'est vrai que je vais peut-être en faire justement demain ou quoi, je sais pas pendant combien de temps ça dure, mais ouais, un petit week-end double XP. Donc on va aborder, je sais pas, un petit sujet comme ça que j'ai vu sur Twitter. Donc pour vous dire là, il est exactement 2h du mat quand je vous fais ce gameplay. Je viens de faire le gameplay juste avant. En fait, hein, pour être honnête, et je l'ai direct record et je me suis dit je vais faire mon petit commentary tranquillou. Et j'ai justement vu sur Twitter donc Chris Puckett qui est commentateur à la MLG, voilà, qui était un petit peu advisor, donc en gros advisor c'est un petit peu en association, hein. Il était un petit peu dans les backstage, il s'occupait un petit peu justement de la MLG, mais désormais il est de retour sur Black Ops 2 en tant que commentateur. Il faut savoir que c'est un gros commentateur à la base sur Halo, et donc là il est de retour sur BO2, et il a posté un tweet assez intéressant, en tout cas qui m'a bien fait plaisir de mon côté. Il parle en fait publiquement de la fin, hein, un petit peu de son avenir, justement il essaye un petit peu d'adresser ce message aux joueurs pro. En gros il adresse ce message en disant que si justement les joueurs pro avaient en tête de vouloir retirer justement cette arme, la MLG serait prêt à faire le nécessaire. Ils sont là pour écouter les joueurs pro, et je pense que c'est réellement une bonne chose, hein. Personnellement je pense que la FAL devrait être retirée du circuit, que ça soit aux States ou même en Europe. À l'heure actuelle en Europe elle est toujours autorisée, mais si je pense déjà la MLG commence à faire le premier pas en décidant de la virer, je pense qu'après côté européen on va peut-être faire la même chose, parce que on en parlait encore tout à l'heure dans le showmatch des Certo France qu'on a fait avec Nabla. Et c'est vrai que nous on trouve, en tout cas moi personnellement, hein, je vais pas parler pour Nabla, mais il avait un petit peu la même idée que moi à ce niveau là c'est vrai que ça demande un niveau, hein, quand même, je dis pas le contraire, hein, puisqu'on joue plus en full auto, c'est du semi auto, donc ça demande quand même une maîtrise de l'arme. Sur ça je peux pas le nier, hein, réellement il y a des personnes qui sont très très fortes, hein, qui ont réellement un bon doigté. Oui, ils ont un bon petit doigté, hein, les salauds. Non mais réellement c'est vrai que ça demande quand même un petit peu de niveau, hein. Je suis pas en train de dire voilà, la FAL c'est absolument OP, c'est trop cheaté, il faut la virer à cause de ça. Je pense que c'est juste qu'elle est beaucoup trop puissante comparée aux autres AR. Donc en gros la M8 elle est beaucoup trop irrégulière, on le sait, hein, les personnes qui ont fait des LAN, moi j'en ai pas fait, mais bon j'ai quand même eu des échos, je suis quand même pas mal la scène. Et c'est vrai que la M8 est vraiment pas puissante en LAN, on le voit en online, hein, c'est aussi le cas, c'est très très rare, hein, qu'elle soit régulière. Quelquefois vous allez tuer en 2 balles, quelquefois en 4 balles. Après il y a certaines personnes bien sûr qui vont dire oui il faut quand même bien mettre les balles dessus, je dis pas le contraire, hein, bien sûr, hein. Quelquefois elle est imprécise parce qu'on tire pas tout simplement la rafale complète sur le joueur.
Mais la plupart du temps, quand même, on se prend quand même des petits mythos assez conséquents. Et je pense que justement, le fait qu'elle soit trop irrégulière, c'est vrai que la FAL compense un petit peu. Mais bon, c'est quand même un petit peu trop, quoi. Je pense qu'elle mériterait en tout cas un petit nerf. Peut-être ajouter un peu plus de recul. Pas la cadence, hein. La cadence, on peut pas la changer, hein. C'est le joueur, pardon, qui fait que la cadence est bonne ou non. Mais je pense qu'ouais, un petit nerf. Peut-être ajouter un petit peu de recul, hein, comme ça a été fait sur les autres armes. Moi, personnellement, c'est vrai que je trouve maintenant que la N94, quand je la jouais un petit peu plus avant, pour vous dire, avant de reprendre un petit peu BO2, je jouais quand même avec la N assez souvent. Et je trouvais qu'elle avait pas beaucoup de recul. Et justement, elle était quand même agréable. Il y avait du recul, mais c'était, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas énorme. Tandis que désormais, je trouve qu'il y a de plus en plus de recul et sur les mauvaises armes, justement, quoi. Par exemple, les SMG, on va revenir un petit peu sur ce débat rapidement. C'est vrai que bah justement on disait que les AR au start du jeu avaient vraiment du mal à s'imposer. C'est vrai, hein, je peux pas dire le contraire à ce niveau, hein. Je pense que j'ai été le premier à le dire, hein, justement dans mes premiers gameplay commentés. Les SMG au début étaient beaucoup trop puissantes, hein, comparées aux AR, elles se faisaient vraiment déchirer, hein, il faut le dire. Mais désormais c'est vrai que c'est un peu moins le cas. Moi personnellement justement je trouve que bah, c'est limite le contraire, hein. Les AR sont beaucoup trop puissantes et les SMG pas assez, dans le sens pas assez puissantes. Je dis pas qu'ils ont réduit les dégâts, mais le recul est beaucoup trop présent, comparé justement sur les AR, hein. C'est vrai qu'il y a du recul, mais sur les SMG c'est beaucoup trop présent. Et c'est vrai que moi, pour moi, le jeu actuellement, je pense qu'il mérite encore limite une mage, hein. Je pense qu'ils doivent revoir tout simplement leur réglage, un petit peu leur équilibre des armes. Ils essaient de produire quelque chose, hein, c'est bien ce qu'ils font, voilà, ils essaient de rendre le jeu meilleur, mais j'ai l'impression qu'en fur et à mesure ils savent pas trop quoi faire, ils reviennent sur leurs décisions. Par exemple, on a revu la Scorpion qui était revenue un petit peu comme au start, très puissante, la MSMC qui a beaucoup trop de recul, la PDW c'est limite devenu une batteuse, hein, c'est limite impossible de jouer avec. Il y a des joueurs qui arrivent encore à jouer avec, hein, je dis pas le contraire, mais on en voit de moins en moins, alors que justement c'était une arme quand même qui était plutôt sympa. Là je vais faire un gros fade carrément, je me tue avec mon Hellstorm alors que j'avais l'impression que j'étais à 10 km. Franchement je sais pas si c'est moi, mais en tout cas ça m'a tué. Mais ouais, franchement c'est vrai que au niveau de l'équilibrage des armes, pour le moment, pour moi, cette dernière mage est pas à la hauteur, hein. C'est pas je suis en train de critiquer, mais c'est vrai que je pense qu'il devrait revoir un petit peu tout ça. Donc est-ce que justement le fait de virer un petit peu la FAL, ça pourrait un petit peu rééquilibrer les choses? Je pense justement que voilà, ça pourrait créer déjà une sorte d'équilibre. Les SMG seraient puissantes, elles seraient puissantes comme je l'ai dit, et les AR seraient toujours un petit peu à leur même niveau, et voilà, la FAL, ça permettrait quand même de pas se faire se faire deux shots à chaque fois, hein. Moi, la plupart des gens que je rencontre, c'est vrai que je fais pas de scrimon des certos, j'en ai fait très peu récemment, mais la plupart des personnes qu'on croise en ligue, c'est full à la FAL, hein. Il faut le dire, hein, réellement c'est que ça. Les mecs vous mettent des deux shots, c'est un truc de malade, hein. Pourtant les mecs c'est pas les meilleurs, hein. Vous voyez ce que je veux dire, ils ont pas la cadence à Clayster, hein, faut pas croire, hein. Donc franchement des fois ça devient un petit peu abusé, donc je pense que ouais, un petit nerf, voire même la virer complètement, je pense que ça pourrait pas mal. Donc déjà je suis assez content de voir que la MLG justement écoute un petit peu l'avis de la communauté, et en tout cas j'espère que les pros feront le bon choix à ce niveau là et je pense qu'à partir de là, ben la communauté des Certos, hein, suivra un petit peu, hein. C'est vrai qu'on s'adapte quand même plus ou moins aux règles américaines, hein. Là ça ressemble quand même plutôt pas mal, on n'a pas les tourelles, il y a quelques petits trucs enlevés, mais c'est vrai que ça se rapproche de plus en plus. Donc je pense que voilà, si déjà les Américains font le premier pas, je pense que les Européens feront la même chose. Donc j'ai hâte de voir ça, on verra bien en tout cas si c'est confirmé un petit peu ce qu'ils ont fait les pros. Je vous tiendrai au courant, hein, si vous le faites pas vous de votre côté sur Twitter. Je vais vous parler donc d'un dernier petit sujet. Donc justement je parlais des showmatchs des Certos France. Alors les showmatchs des Certos France, c'est quelque chose que je vous avais pas annoncé, hein, dans mon précédent gameplay, justement mon entrée chez des Certos France. Si vous êtes pas au courant, si vous avez pas vu le dernier gameplay, donc je suis rentré dans le staff, hein, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Donc en gros ouais, j'ai déjà fait deux gros showmatchs. Donc un premier avec BRK, où c'était un showmatch opposant les Somatiques aux Gammoniacs. Donc c'était réellement une belle rencontre, ça m'a permis justement de me faire un petit peu au cast avec BRK. Ça faisait un petit moment que j'avais pas casté, hein, faut le dire, j'avais fait la MLG, mais c'est vrai qu'à part ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, j'ai pas fait 10 000 cases, j'en ai fait pour G4G comme j'ai dit, mais ça m'a permis un petit peu de me remettre dans le bain. Et en plus voilà, là de le faire avec quelqu'un, ça faisait un petit moment, voilà, justement que j'avais pas teamé, et c'est toujours un exercice assez compliqué, il faut pas croire, mais c'est vrai que de commenter avec quelqu'un à ses côtés, c'est pas toujours facile, et je pense qu'on s'en est plutôt pas mal tiré justement avec BRK. Et hier soir, donc en gros
ouais, hier soir, hein, on va dire ça hier soir, puisque c'était hier soir maintenant, avec Nabla, on a fait un autre show match qui opposait donc les Avengers, je pourrais pas vous dire exactement c'était quoi le nom, il est un petit peu compliqué à dire, mais c'était les Avengers contre les Playards, donc c'était aussi une très belle rencontre, donc j'ai eu l'occasion de caster ce match avec Nabla, et là aussi c'était plutôt sympathique, donc déjà deux gros show match, on va tenter d'en faire de plus en plus avec Desarto France, donc comme j'avais dit, hein, ça sera vraiment des gros events, hein, ça sera des show match comme ça, peut-être des ODC par la suite si réellement c'est très si c'est réellement médiatisé, vous voyez ce que je veux dire, ça sera pas des petites ODC auxquelles je participerai, mais je vais essayer d'en faire de plus en plus. En tout cas les show match vous avez l'air d'apprécier, donc je pense que de toute façon on va continuer de plus en plus. Réellement l'objectif désormais de Desarto France, c'est de réellement produire un maximum de contenu, hein, que ça soit des top 5. Vous avez pu aussi me retrouver justement dans le top 5 Desarto France, le top 5 clips. Et visiblement aussi ça vous a plutôt plu, hein, puisque en une journée il me semble qu'on a dépassé les 1000 likes, donc pour vous dire ça fait réellement plaisir. Donc j'apprécie réellement votre soutien. La plupart des personnes ont réellement été très accueillantes, hein, chez Desarto. Les personnes aussi sur Twitter, hein, qui me follow, étaient réellement contents pour moi de cette entrée chez Desarto. Donc réellement ça me fait plaisir de voir autant de soutien de votre côté. Le gameplay va bientôt se terminer. Il me semble que comme j'ai dit, j'ai fait une assez bonne partie. C'est rare que je joue en tout cas à la R, hein, que je propose des gameplays. Donc voilà, je fais un 32-16. C'est plutôt pas mal, hein, je trouve. En plus on gagne la partie 4-1, donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce petit gameplay. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, hein, ça m'aide à avancer, et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain gameplay. Allez, ciao ciao les potes.